Salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien, on se retrouve sur BO3 pour une petite vidéo BO3 tout seul, bien sûr, je suis tout seul aujourd'hui. On va se mettre au snap, d'habitude je me mets jamais au snap, donc du coup je me mets jamais au snap, donc désolé je reçois un message, mais comme je reçois les messages de Xbox sur mon PC, donc du coup je peux voir et en même temps je lis, donc désolé. Du coup ouais, je vous disais que... je vais me mettre au snap parce que je viens de faire une partie il y a un instant. En fait, j'ai rejoint une partie et en cours de partie, en fait, j'ai fait, j'ai joué au snap et j'ai fait 14 kills. Je meurs que 4 fois. Donc c'est pour ça là, je suis bon maintenant au snap. Donc du coup voilà, je vais essayer de me débrouiller un peu. Donc on va voir, on va essayer. Donc mettez-moi une note pour les snaps du coup parce que jouer au snap parce que moi je suis pas vraiment faire à la base, mais depuis quelques jours en fait je me mise à mettre au snap et du coup je fais que des kills et du coup on va voir, vous allez me noter, on va voir si ça vaut le coup, si je joue bien, si je me débrouille, puis voilà. Donc j'espère qu'on va gagner. Oh vas-y, point choc, point choc, point choc. Hop, on va prendre mon snap. J'ai pris celui-là, donc du coup j'ai changé le visée, je sais pas si ça vaut le coup. On va se mettre là-bas directement. Pousse-toi toi. Ah j'en ai touché un. Hop là, j'en ai tué déjà un dans la tête. Donc vous avez vu, j'ai fait le premier kill dans la tête. Hop, le deuxième kill. Je peux pas vous dire mieux les mecs, mais je fais que des kills. Déjà deux. En fait, je tire au pif. Et dès que ça fait une croix, je sais qu'il y a un mec dans le coin. Bon, bien sûr, ils peuvent arriver derrière moi, ça peut arriver des fois. Et je crois qu'il y a du monde. Voilà, je me doutais. J'ai entendu juste le bruit à la fin, mais j'étais pas sûr. C'est pas grave. Du coup, là-bas, il doit y avoir du monde parce que l'autre, il s'est fait tuer. Du coup, je joue au snap, mais en mode silencieux. Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est de la triche? Est-ce que c'est vraiment bien ou pas? J'attends vraiment vos critiques. Ah, j'en ai touché un. Du coup, il s'est fait tuer. Mais tout à l'heure, c'était magnifique en fait, parce qu'ils arrivaient, en fait, ils se prenaient des balles dans la tête. C'était super magnifique. Du coup, ouais, il y a du monde derrière. Non, c'est bon. Il était tué, je pense. Attendez, je vais me remettre à ma place. Voilà. On va jouer ici. Ah, bien joué. Et du coup, il m'a tué. Ah, c'est bien. Moi, on joue contre Snap. Donc, un snapper. Donc, voilà, on voit bien que. Du coup, voilà, je l'ai tué. Il m'a tué. Ah, bah, lui, il m'a tué ce côté. Je sais pas quoi, mais il m'a tué. Je vais pas me mettre trop près de la fenêtre. Sinon, je vais me faire dégommer. Ouais, bien joué. Ah, je suis mort 4 fois, j'en ai tué 4 quand même. Bien, j'en ai vu un là-haut. Je la mets là comme ça, hop. Du coup, lui, je l'ai tué, en revanche. J'ai cru qu'il allait pas mourir. Du coup ça c'est cool parce que ça va me protéger. Du coup ça va me protéger pas mal. Voilà, ça j'adore, par contre ça me protège. Sauf si l'autre là-bas il me tue. Pour l'instant c'est l'air pas le cas. Ah il meurt pas. Ah, je crois qu'il a été touché, je suis pas sûr. Ouais, il a été tué. Et du coup, moi, si ça arrive de derrière, c'est pas grave, parce que du coup, je suis protégé par mes trucs. Ou pas vraiment. Si, je suis protégé quand même. De toute façon, on verra bien si je me fais tirer dessus, c'est pas grave. Mais voilà, j'en ai tué 7, je suis marqué de faux.
En fait, quand je fais ça, ça marche vraiment quand je tire au pif. Voilà, force, ils vont savoir que je me planque, donc voilà, on va essayer de bouger après. Hop là, juste au plan vol, il était juste magnifique celui-là. Grenade. Hop là, l'autre il passe en même temps, il s'est fait tirer dessus. Putain, il fait peur. Oh, du coup, il m'a sauvé la vie. Ah, du coup, on est des. Attendez. Ah, merde, bah, logique. Merde, con, j'ai lancé ma mine. Donc, on va regarder dans les tableaux. Donc, voilà, j'en ai tué 10, je suis mort 5 fois. Bon, bien sûr, on est descendu. On est quand même premier. Mais juste donnez-moi une minute parce que je joue pas souvent au snap du coup. Merde, je me suis loupé. Logique, j'ai envie de vous dire, tu joues grenade, tu meurs. Ah, je savais pas que. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Bref. Ah, magnifique quand même, j'ai pas zoomé. Désolé, j'ai bu. Attendez, on va essayer de faire le dernier kill quand même. J'ai bien voulu tuer le dernier. Ah, dommage. J'ai bien voulu faire le dernier kill. Ouais, je suis quand même quatrième. C'est déjà pas mal. Un début au snap. On va refaire une deuxième partie. Mais donnez vraiment moi une note du coup au snap si ça vous rend le goût. Si j'ai bien joué. Est-ce que j'ai mal joué? J'ai envie de tuer quand même 12. Je suis mort cette fois. Donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires. Et comme ça, je pourrais savoir si ça vaut. Bah. S'il faut que je m'apagresse, s'il faut que je bouge, si je dois rester à la même place ou pas. Comment. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui jouent au snap. Après, ils restent au même endroit. Il y a beaucoup de personnes qui bougent. Après, moi, je peux pas vous dire. Je suis pas souvent au snap, en sniper. Donc voilà. Je me débrouille pas mal. Sur GTA aussi, en mode snap, mais voilà, c'est pas pareil. Là, c'est plus facile parce qu'on peut tirer à travers les murs, donc du coup, c'est plus drôle. Mais c'est vraiment assez cool. Après, je vous dis tout simplement quand tu joues au snap, bah, voilà, il faut bien bouger, il faut bien jouer et tout. Là, j'ai joué en fait. En gros, je suis resté un peu au même endroit. La prochaine fois, j'irai me bouger, j'irai me mettre allongé par terre, un truc comme ça. Bon, la map là elle est pas vraiment grande. Si c'est genre celle avec la ferme ou la neige avec l'église, ouais, là on peut jouer. On peut se déplacer, mais quand c'est pas assez grand, c'est dommage. Après, voilà, il faut gérer. Moi, je joue pas assez souvent, donc voilà. Ouais, voilà, quand c'est la ferme, je vais voter la ferme du coup. Allez, au début, je jouais avec cette arme là. Je joue l'habitude avec cette arme là. Et du coup, en fait, j'y joue plus. Bah, du coup, bah, je voulais rejouer au snap, je voulais tester le snap et du coup, bah, j'ai bien fait parce que du coup, maintenant ça marche. Je suis bien content. Et on va prendre celle-là. Par contre, je sais pas si ça vaut le coup, ça, le viser comme ça. Le puck comme ça ou je sais pas quoi. Ou s'il faut mettre en visée comme ça. Je sais pas du tout. Bref, à vous de me dire dans les commentaires. À vous de me dire si ça vaut le coup, cette arme-là. Ou s'il faut l'essayer, le Lucus ou. Mais je pense que celle-là, elle est vraiment bien. On me l'avait dit, je me rappelle plus du tout. Du coup, on camouflage sur le bazooka. Oh, on va mettre celle-là. Hop là. Non, on joue dans celle-là. Voilà, on a voté. Donc, vous allez voir. Là, on va jouer au snap. Mais au moins, là, je pourrais peut-être un peu bouger. Savoir. Bon, il y a beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes qui jouent au snap. Mais ils bougent pas. J'ai remarqué. Donc, pourquoi de pas se priver?
C'est vrai que quand des fois je m'amuse à faire des parties avec mon oncle, je joue souvent avec mon oncle, donc du coup, bah, en fait, tout simplement, quand je joue avec lui, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui jouent au Snap et qui se planquent, donc je comprends pas pourquoi les personnes font ça, mais en fait, ils vont te virer dans la partie ou ils vont te traiter en disant, ouais, t'es un bouffon, tu bouges pas, mais ouais, mais quand on les regarde, en fait, c'est eux les premiers à pas bouger, donc c'est ça qui me virait en fait. Donc, on n'est pas, voilà, on n'est pas à part des autres, et. Si, je sais pas, vous, si ça vous arrive quand vous jouez à BO3, si vous recevez des messages ou si vous le mec qui met son micro, il traite. Moi, hier, par exemple, on a joué, il y a un mec qui nous a traité. Bonne connard, vous restez planqué. Bah ouais, mais en même temps, mec, on te fait la même. Ah merde, il y en avait deux. Dommage, j'aurais pu faire les deux en même temps. J'ai mal géré le truc. C'est pas grave. Du coup, là-bas, ils vont être là-bas, logique. Oh mais non, l'autre il arrive par derrière, voilà. Ah si je vois sur BO3, là je galère au snap par exemple, bah, je me remettrai à la mitraillette bien sûr. Mais j'ai quand même fait partie au snap. Ah là-bas j'ai tiré dessus là. Ah voilà, là je l'ai tué. À travers les murs, mais je l'ai tué. Voilà, je me doutais, j'étais pas sûr mais je me doutais un peu. Hop, tire dans la tête, tire dans la tête. Le mec, il a mis son micro, il vient de crier. Je l'ai entendu. Je sais pas si c'est en français ou pas. Ah ouais, mais bien sûr. Comment vous voulez faire quand vous êtes au snipe? Enfin, j'essaie de changer d'arme et mettre au lieu de mettre un bazooka, mettre une mitraillette au cas où. Si j'ai un souci. Ça peut toujours servir la petite mitraillette quand même. Bah ouais, mais non, ça c'est par contre, tu vois, vous voyez, ça m'énerve, les gens qui arrivent par derrière. Après, vous allez me dire, ouais, mais en même temps, tu joues au snap. Ouais, peut-être, mais le mec il joue à la clé, et donc du coup, bah, on n'entend pas, on le voit pas. Voilà, sa petite mine qui a explosé. L'autre il a la même arme que moi à peu près. Toi, tu me gênes. On va essayer de tirer de là. Oh, j'en ai tué un, mais à la mine du coup. Ah mais tu vois, c'est celui-là qui revient en fait avec son... Ah ouais mais non c'était sûr. Par contre il est chiant celui-là à jouer avec la clé. Il fait quand même 7 kills, il est mort 5 fois mais bon c'est chiant quand même. Là on est tous au snap du coup j'ai envie de vous dire. Oh putain. Et c'est celui-là qui joue à la clé je crois. Non. Ah je sais pas. Ah bon, c'est chiant quand même. Quoi, j'arrive pas à le tuer. En même temps, je suis tout seul. En 4-8, je pense que je vais me remettre à la mitraillette après parce que ça commence à m'énerver. J'arrive pas du coup à faire des kills. Et voilà. En fait, là, on peut rien faire parce que ça se planque de partout. Bah, c'est une carte plus grande, donc du coup, c'est sûr après. Après ils savent qu'on joue au snap donc du coup bah ils savent très bien qu'on joue au snap donc du coup ils essaient de faire la même. Ah putain voilà c'est ça qui m'énerve les mecs qui arrivent comme ça à la clé. Alors maintenant il l'a explosé comme ça. Mais il marque même pas! Bah ouais, mais j'allais dire, attendez, j'ai utilisé tous mes trucs du coup. Moi, je voulais rester planqué ici, j'aurais pu. Ah ouais, bah du coup, attendez, on va réessayer encore une fois. Et sinon, je vais me remettre à la mitraillette. Hein. Ah ouais, non, mais il fallait se douter. Ah, je vais réessayer de me remettre là-bas. On est en train de perdre en plus, je suis premier, deuxième. Lui, il m'énerve, lui. Et sérieusement, je vais me remettre à la mitraillette. En fait, c'est juste tout simplement parce que le mec là, il joue à la clé depuis tout à l'heure. Mais en fait, il fait que ça. Peut-être qu'il fait des kills. Mais voilà, en fait, il fait ça. Et vous avez vu, il était planqué en bas, hein, au niveau du canapé. C'est juste pour vous montrer à quel point que c'est chiant, en fait, quand vous jouez à un truc sur BO3.
Il y a toujours un qui se planque. Et du coup, ça veut jouer, on va jouer. Bien joué, du coup, ils l'ont tué. Ah ouais, mais 3. Dans le de son point choc, il est utilisé pour rien. J'ai envie de vous dire. Enfin, je remets d'autres, du coup, des... Ah, lui aussi, il va jouer au couteau. Bien con, j'ai mal mis. Ah, je crois que c'était lui qui revenait derrière, j'allais dire, putain, il est chiant. Ouais, j'ai tiré dessus. Bon, je suis bien content parce que j'ai quand même, du coup, avancé au snipe. Le sniper. C'est déjà pas mal. Bon, là, c'est sûr, il y en a un là. Et qui on retrouve le même. Et en fait, on lui tire dessus, il mord même pas. Alors, le mec, il va commencer à me saouler. Et ça, c'est des mecs que t'as envie de traiter. Dites-moi dans les commentaires, j'attends vraiment vos commentaires pour dire. Si le mec il fait ça dans vos parties, vous allez faire quoi? Je veux juste savoir les critiques, pas les, vraiment les critiques, mais votre avis pour savoir si vous allez le ban, si vous allez le signaler, si vous allez le traiter. Pour dire ouais, t'es un bouffon, tu bouges même pas. Juste pour savoir, parce que c'est vrai, c'est chiant la force. Sinon, c'est facile de se manquer tout le temps. Le mec il fait que ça en fait, il fait que des kills, mais du coup, à la clé. Ah, du coup, ouais, je me suis pris pour un manche à balai, comme un manche à balai plutôt. C'est un peu dommage parce que ça a été vraiment pas mal de continuer et gagner. Bon, bref, on peut pas être faire à tout. Voilà. T'en vois un à droite, tu vois l'autre à gauche. Là, c'est pareil, l'autre il va être encore là. Ah, il se planque plus là. Là, si, derrière. Bon, j'ai un étudiant quand même à la mine, mais c'est pas suffisant. Non, le mec, quand tu tires dessus, il mord même pas. Ça m'énerve un peu, mais c'est pas grave. Voilà, on va pas. Ça fait un partout, du coup. Voilà, j'étais quand même 3. Donc, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime. Moi, je vous dis à très vite. Ciao, bye bye. Peace.